Aujourd'hui, le sport, c'est un élément qui est particulièrement valorisé dans notre société. Et là, c'est les sports de nature. L'idée, c'était finalement d'associer la dimension sportive et la dimension touristique pour former en fait des jeunes à être capables de faire des produits touristiques avec des supports variés, l'escalade, le trail, le cheval, l'équitation. Localement, ici, à Millau, y a toute cette offre qui est accessible, qui est possible. J'ai fait un BTS animation et développement des territoires ruraux à Auch. Mais sinon, de base, je viens de la Drôme, de Montélimar. Je viens de la Martinique. Là-bas, j'ai effectué un BTS gestion petite et moyenne entreprise. Je suis issu d'une L3 activité physique adaptée, ma STAPS. Et là, aujourd'hui, on concrétise en fait un produit qu'ils ont eux-mêmes pensé, monté. Avec un public réel. Je suis quand même particulièrement heureux de participer à ce produit touristique avec les étudiants. Aujourd'hui, j'interviens en tant que dirigeant et professionnel du tourisme local. Donc voilà, c'est un plaisir et j'espère que ça leur montre aussi que quand on en a la volonté, grâce à ces formations, et ben on arrive à concrétiser des projets derrière. Je suis parti en juillet, août à Millau. Ça m'a permis de découvrir le coin avec tous ces paysages et ces activités sportives. C'est une heureuse découverte, je suis agréablement surpris. Cette année, je suis alternant à Esprit Nature. Ma mission, c'est de mettre en place une descente en canoë interactive. Avec à l'intérieur, il y a une application en fait, pour faire un genre d'escape game outdoor. Depuis septembre, j'ai commencé un programme qui s'appelle Pépite Écrin qui nous permet d'avoir le statut d'étudiant entrepreneur. Je suis alternant du coup à l'office de tourisme Millau Grand Causse. Donc mes missions à moi, ça va être concevoir des séjours sportifs. Aussi durant l'été, je vais être chargé de mettre en place une activité physique adaptée pour les personnes en situation de handicap. L'intérêt de cette formation, c'est finalement qu'après 3 ans d'études, parce que c'est une licence pro, on puisse aller directement sur le marché de l'emploi. Grâce aux compétences que m'a apporté cette licence professionnelle, je pourrais monter ma propre micro-entreprise dans l'activité physique adaptée. Ce que je souhaiterais faire sur la Martinique, c'est créer une application qui valorisera l'ensemble des points de vue. Tout ça, ça sera valorisé par des réductions économiques auprès de nos partenaires locaux. J'aimerais bien monter des projets, les réaliser, faire un petit peu la construction de projets de A à Z.